Après 12 mois de semence dans la miséricorde, fidèle, dignitaire, ami et sympathisant de la paroisse céleste, Saint-Eugène, havre de paix de Vaudecourt ont apporté les prémices de leur récolte dans la maison du Seigneur, sacrifiant ainsi à la tradition de l'édition 2020 de la fête des moissons, conformément à l'ordre reçu du Saint-Esprit par le père fondateur de l'Église du christianisme céleste, le révérend pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Prière, louange et adoration ont marqué cette célébration eucharistique agrémentée par Jababa, artiste, musicien, chanteur, compositeur, producteur et promoteur culturel hors pair. Une compétence musicale et artistique reconnue au-delà des frontières béninoises. Présidée par la vénérable Seigneur Maman Oli, Roland Alia, l'édition 2020 de la fête des moissons
à Saint-Eugène, Havre de Paix, a été d'une réussite parfaite. Cette fête se passe dans la plus grande simplicité, compte tenu de la situation sanitaire que nous traversons actuellement dans le monde entier. Et nous avons essayé de respecter aussi les gestes de barrière et pour protéger tout un chacun de nous. Les fidèles ont répondu à notre appel, ils nous ont fait honneur et ça se passe avec une grande joie. Ma joie aussi, elle est débordante. J'exhorte tous les chrétiens célestes, surtout les paroisses, ceux qui veulent emboîter notre pas pour faire aussi leur paix des moissons sur les paroisses, de toujours respecter les règles de barrière contre le corona et de se mettre à l'œuvre de Dieu. Parce que derrière une fête des moissons se cache une très grande bénédiction. Dans le rang des invités de marque, la fierté et la satisfaction d'avoir participé à la présente fête demeurent totales. Cette fête a été belle. Je demande à Dieu Tout-Puissant que le deuil que nous avons subi cette année, que Dieu ne fasse pas que ce deuil vienne. Et que la paix du Seigneur soit chacun de vous, que la prochaine fois tout ira mieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. La fête des moissons est une routine et c'est un devoir, je dirais même une obligation spirituelle de la célébrer, qu'on reçoive l'invitation ou pas. Si on sait qu'il y a une fête des moissons quelque part, on va et on fait son devoir par rapport à Dieu, puisque c'est la fête de Dieu, ce n'est pas la fête de quelqu'un. Fondée il y a 7 années, la paroisse ECC Saint-Eugène Havre de Paix de Védoukro est présidée par le supérieur évangéliste Moïse Amoussou, de concert avec le supérieur évangéliste Hyacinthe Noutaï, chargé spirituel de la dite paroisse.